surprenant. Alhamdulillah, c'est une série interminable. Je pense qu'il a touché à sa fin avec son annonce de la retraite. Que pensez-vous, coach? Vous êtes un petit peu tous marrons, regardez les choses qui vous discutez. C'est toujours dans un contexte un petit peu négatif. Pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? Vous savez, ce garçon, depuis que je suis arrivé, il s'est passé toujours quelque chose à cause de lui. Je dis franchement et honnêtement, je pensais qu'il était... C'est lui, parce qu'il ne faut pas mensonge de lui, c'est lui. J'étais à côté du téléphone, que j'ai appelé, il a dit « je ne veux pas venir ». Après son frère qui l'avait appelé pour dire, il s'est excusé, il veut venir, comme ça, je l'ai mis sur la liste. Mais tout ce qui se passe à cause de lui, comme je dis, équipe, aujourd'hui, il a besoin de sérénité, exemplarité. Il était, je pensais même à appeler, mais quand j'ai vu tout ce qui s'est passé dernier mot, mais je n'ai pas appelé, c'est tout, c'est juste ça. Pourquoi il a déclaré, je ne sais pas, je ne vais pas faire le commentaire de ça. Je n'ai rien contre ce garçon, mais j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai témoigné comme ça. Pour appeler l'équipe nationale, il faut beaucoup de respect vis-à-vis de ça. Tu ne peux pas appeler un joueur qui a un conflit en matière de joueurs, comme qui ne respecte pas le règlement et tout ça. C'est la chose qu'ils ont un petit peu... C'est pour ça que l'équipe nationale, c'est au-dessus de tout le monde. C'est individualisme, égoïsme, ça. Il ne faut pas avoir ça, surtout le comportement. Je dis, peut-être dommage, parce que le joueur, peut-être, il a certaines qualités qui peuvent nous servir, mais son comportement, surtout, qu'il est un petit peu inacceptable vis-à-vis le joueur national. Je compte beaucoup pour ça. Et j'ai entendu, vous ne connaissez pas toute l'histoire, et je connais certaines choses. J'ai discuté avec certains joueurs, je ne connais pas personnellement, j'ai regardé plusieurs matchs. Mais il s'est passé toujours quelque chose avec lui. Je l'explique à son frère, sur le terrain, il faut avoir un comportement. Ce n'est pas toujours conflit ou carton. Avec cette histoire dernière, ce n'est pas digne à un international comme ça. Après, les gens, ils peuvent me demander comment on peut... avoir dans l'équipe nationale un joueur qui a un comportement comme ça. Je dis, c'est plutôt ça, autrement. Ça. Pour ces déclarations, je ne vais pas faire commentaire, j'ai d'autres soucis.